Bonsoir à tous, merci de votre attention. En quelques images, voici les faits marquants de cette nouvelle journée de guerre. Des bombardements quasiment ininterrompus sur Bagdad. Le ministère de l'information irakien parle de centaines de blessés et de morts civils. L'état-major américain certifie que seuls les postes de commandement sont visés. Les troupes au sol, elles poursuivent leur progression vers la capitale, mais le doute s'installe sur la stratégie américaine, d'autant qu'un nouvel hélicoptère a été abattu. Tout à l'heure, Tommy Franks a voulu rassurer, mais l'inquiétude est réelle. Les bourses, par exemple, sont en chute libre. Et du coup, c'est Saddam Hussein qui plastronne, c'est l'autre image de la journée. Le président irakien veut montrer qu'il est bien vivant. Lors d'une apparition à la télévision, il a félicité ses troupes et promis la victoire, impossible bien sûr à authentifier. La guerre qui a forcé la porte des Oscars, actrice en noir, badge pacifiste et Michael Moore qui a vivement pris à partie George Bush. Les grands vainqueurs de la soirée sont les films Chicago et Le Pianiste. Enfin, autre actualité en France, le plan contre le cancer annoncé par Jacques Chirac. 500 millions d'euros sur 5 ans, prévention, dépistage et recherche. Tout de suite, nous allons donc à Bagdad où les phases de répit sont de plus en plus courtes. Il y a un peu plus d'une heure et demie, les sirènes ont à nouveau retenti. Quatrième raid aérien de la journée contre la capitale irakienne. On va retrouver dans un instant Alain Chalvron en direct. Les dernières images d'abord, elles sont commentées par Stéphane Bretner. Cinquième jour de guerre, cinquième jour de bombardement sur Bagdad. Cette fois-ci, à la périphérie de la ville. Depuis hier soir, l'armée américaine ne laisse aucun répit à la capitale irakienne. Le pilote d'un chasseur bombardier a même filmé sa mission la nuit dernière. Les cibles, un palais présidentiel, le centre de télécommunication et des bâtiments du ministère de la Défense. La résistance inattendue des Irakiens oblige l'armée américaine à appuyer ses troupes au sol par les airs. Toute la journée, les B-52 et des avions de combat F-117 ont déversé leurs bombes sur tous les fronts du pays. Dans les villes du sud, à Bassora et Nasiriya, au nord, à Mossoul et pour la première fois, sur la ligne de démarcation avec le Kurdistan. Tommy Franks, commandant des forces de la coalition, s'est adressé à la presse pour la deuxième fois depuis le début du conflit. Image satellite à l'appui, le général entend prouver la précision des frappes. Des flèches bleues montrent des bâtiments intacts alors que ceux d'à côté sont détruits. Nos forces aériennes continuent à frapper des bâtiments de commandement et de contrôle du régime, ainsi que des divisions armées dans tout le pays, avec précision et application. La précision, ce n'est pas la vie des Irakiens. Voilà ce que montre la télévision officielle depuis le début de la journée, des bâtiments effondrés et les secours qui travaillent pour dégager les victimes. Mais il arrive aussi aux soldats irakiens de ne pas rater leur cible, comme ce drone de l'armée américaine abattu aujourd'hui, qu'ils exhibent comme un trophée. Bonsoir Alain Chalvron, vous êtes en direct de Bagdad. D'abord, le bilan, on entend parler de frappes précises. Les autorités irakiennes, elles, parlent de centaines de morts et de blessés civils. Avez-vous des indications ? On n'a pas d'indication précise sur le bilan. Mais naturellement, les bombardements sont devenus tellement fréquents, tellement lourds. Vous avez dit tout à l'heure qu'on en était à la quatrième vague de bombardements de la journée. Vous savez, nous ne les comptons plus. Il y a des bombardements sans arrêt. Il n'y a plus d'alerte véritablement. On bombarde toutes les parties de la ville. Le centre, encore tout à l'heure, un très fort bombardement dans le secteur du palais présidentiel et toute la banlieue. Alors, un bilan, non, c'est difficile à dire. Mais c'est certainement des dizaines, voire des centaines de morts. Ça ne peut pas être autrement, tellement il y a de bombardements et de frappes à droite, à gauche, dans le centre, dans le sud, à l'est, partout dans Bagdad. Alors Alain, si la ville est maintenant bombardée jour et nuit, pratiquement de façon ininterrompue, comment la vie peut-elle continuer normalement ? Oui, écoutez, c'est toujours le paradoxe un peu surréaliste de cette ville où les gens, par la force des choses, vivent maintenant, essayent de vivre normalement. Alors, au début de la campagne aérienne, évidemment, pendant les alertes, les gens restaient chez eux ou allaient dans des abris. Maintenant, ce n'est même plus le cas. D'ailleurs, il n'y a plus d'alerte. Il n'y a plus que les bombardements. Et pendant les bombardements, la vie continue. Il y a toujours de la circulation. Alors, l'ambiance a changé. Vous savez que les Irakiens ont allumé des tranchées de pétrole. L'air est chargé de suie noirâtre et ça fait très mal à la gorge. C'est très pénible à vivre. Donc, la vie n'est plus tout à fait la même. La vie est devenue difficile. Mais le moral est bon.
bon, le moral est meilleur. Depuis que l'on sait que le bataillon Doncaster a tenu bon face à l'armada américaine et anglaise, les Irakiens se sentent remontés, se sentent capables d'infliger aux Américains aussi des pertes, de se battre et de se défendre. Merci Alain, on y reviendra dans un instant. Vous restez avec nous, on va retrouver un autre de nos envoyés spéciaux qui vit comme tous les habitants ces journées de feu et d'alerte, chronique de la vie à Bagdad ces dernières 24 heures, Bertrand Koch, Emmanuel Beck. Devant la faculté d'Al-Mustan Seria, le cratère d'une bombe américaine. Des techniciens des télécoms s'activent à réparer des lignes de téléphone sans panique, dans la décontraction. Les Irakiens ont du cran ces jours-ci. Mohamed, qui travaille en face, nous montre ses bureaux, dont les vitres ont volé en éclats. Lui-même, ancien élève de l'université, ne comprend pas pourquoi ici. Je ne sais pas vraiment. Il est vide là-bas, il n'y a rien ici. Sinon, les facultés, les départements, je ne sais pas. Le souffle de la bombe a ravagé le club des étudiants. Selon les officiels irakiens qui nous accompagnent, ce dommage collatéral aurait fait 3 morts et 26 blessés. Ils sont là, les blessés, sur leur lit d'hôpital, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. De la souffrance donnée en pâture à la presse internationale. Dans un rapport de force qui leur est défavorable, les Irakiens se servent de tout et d'abord des images. Mais ce drame est bien réel. Un gosse de 15 ans qui perd son sang. Un grand frère qui tremble pour son cadet. Toutes ces victimes sont manifestement des civils, des femmes, des adolescents. Certains, nous dit-on, ont été extraits d'une maison bombardée dans la journée, à l'heure du déjeuner. Les médecins qui parlent anglais s'en prennent à l'Amérique. Donc voilà le travail, nous dit celui-là. Le soir venu, les premières sirènes d'alerte, les tirs de DCA, sonnent le couvre-feu. Les rues se vident, la ville se ferme pour la nuit. Ce restaurant, Dar Assat, le quartier chic de Bagdad, a choisi de rester ouvert, mais il ne fait pratiquement plus que de la livraison. Seul, le patron tient encore table ouverte pour ses amis. Je n'ai pas peur, dit-il. Les Anglais et les Américains, on n'a même pas besoin d'armes pour les battre. On va les écraser à coups de pied. Tandis que son copain, en uniforme d'officier, joint le geste à la parole. Les nouvelles du front, les images des prisonniers de guerre américains, Saddam Hussein qui félicite ses commandants les plus valeureux, tout cela agit sur le moral des Irakiens et renforce un sentiment de fierté nationale. Si les Américains arrivaient demain à Bagdad, rien ne dit qu'ils seraient accueillis en libérateurs. Alors précisément, après la guerre aérienne, l'offensive au sol, les forces américaines dans leur remontée vers Bagdad évitaient jusque-là les villes. Une exception peut-être, Nasiriyah. En début d'après-midi, une attaque très importante a été lancée contre cette cité de 260 000 habitants, située entre Bassora et la capitale. Un bataillon de marine serait même entré dans la ville. Image commentée par Yasmina Farber et François Baudonnet. Pas de temps à perdre pour soigner les blessés. Le soldat Bernard Joshua assurait la sécurité d'un pont près de Nasiriyah. Il empêchait les civils de traverser quand sa section a été mitraillée. Toute l'équipe médicale est mobilisée. Très vite, le soldat peut rassurer ses proches. Je vais bien. J'ai été touché à la main et on m'a opéré. Autour de Nasiriyah, un carrefour stratégique sur l'Euphrate, à 350 km de Bagdad, les combats sont très violents. Les soldats irakiens ont tendu des embuscades meurtrières, il y aurait 10 morts et une douzaine de disparus. Les Marines enveloppent le corps de l'un d'entre eux dans un drapeau américain, il sera rapatrié en hélicoptère. Ici, le risque est omniprésent, comme le confiait cet après-midi un photographe de l'AFP incorporé chez les Marines. Là, on vient, le campement là où je suis vient juste d'être attaqué il y a une demi-heure par des Irakiens. Et ce qui est nouveau, c'est que deux Irakiens ont été tués avec des fusils et ils étaient en civil. Les soldats américains vivent dans l'angoisse d'être pris au piège. J'en ai vu un là tout à l'heure qui rentrait là, complètement essoufflé, qui me disait si ce sont des civils qui nous attaquent, ça risque d'être comme le Vietnam. Parce qu'ils ne sauront pas qui sont les amis, qui sont les ennemis. Pendant que des chars cernent la ville de Nasiriyah, les troupes américaines restent très vigilantes aux abords de leur camp. Elles ont escorté tous leurs prisonniers de guerre dans le désert.
Nasiriya, si la bataille a bien lieu, devrait rester un cas isolé. La stratégie américano-britannique est maintenant bien connue. Concentrer l'offensive sur Bagdad pour tenter de faire tomber le régime en espérant que le reste du pays suivra. C'est donc une immense caravane de chars, de camions qui poursuit son avancée du sud au nord. Tony Blair a confirmé tout à l'heure que les premières unités seraient à moins de 100 km de Bagdad. Hervé Guéquier. Le fer de lance de l'armée américaine, la 3e division d'infanterie. Elle fonce dans le désert, direction Bagdad. Son avancée est spectaculaire. Mais parfois, les blindés doivent ralentir. Il y a des mines qu'il faut neutraliser. Sur le bord de la piste, des bédouins saluent les GIS. De temps à autre, il y a aussi quelques accrochages avec des groupes armés irakiens. Des hommes sont faits prisonniers comme à ce point de contrôle, mais rien de très sérieux. Nous avons eu des contacts sporadiques avec l'armée irakienne, mais elle n'est pas très organisée. Nous n'avons pas eu de réels problèmes en termes d'engagement et nous avons fait quelques prisonniers. Pour l'instant, l'armée américaine évite les difficultés et les poches de résistance. Dans sa remontée vers le nord, Nasiriya et Najaf sont contournés dans un premier temps, puis encerclés. Au sud, la deuxième ville d'Irak, Bassora, résiste depuis 3 jours. Les Britanniques butent sur la cité à majorité chiite, les combats font rage, mais une partie des blindés n'attend pas et remonte déjà vers le nord et Bagdad. Ceux qui restent savent qu'il faudra se battre âprement, comme cet officier britannique. Personne ne pensait que ce serait le même scénario que la dernière guerre du Golfe. Le problème ici, c'est que l'armée irakienne est sur son propre territoire et qu'elle va de toute évidence se battre. Pour tenter de retarder les Américains, les Irakiens ont également saboté des oléoducs. Mais au QG américain du Qatar, le général Franks se veut toujours confiant. Les résultats sont excellents, le moral est bon. Et je pense qu'il n'y a aucun doute sur l'issue de la guerre. Mais pour la durée du conflit, c'est une toute autre question. Les Américains creusent des tranchées, de violents accrochages ont toujours lieu à Bassora. 2 soldats américains ou britanniques ont été tués, 1/3 capturé par un groupe paramilitaire, les Fedaïn de Saddam. Enfin, le vice-premier ministre Tarek Aziz affirme que la garde républicaine n'a pas combattu à Oum Qassar et que seules les troupes régulières sont intervenues. Une déclaration en forme d'avertissement. Le plus dur reste à venir. Oui, c'est vrai qu'il y a des doutes sur cette stratégie. Avant d'y venir, un témoignage d'abord au cœur de ce convoi, celui de notre envoyé spécial Agnès Varamian. Elle se trouve avec des Marines au nord de Nasiriya, direction Bagdad. Et nous avons pu la joindre par téléphone tout à l'heure. Écoutez. Nous sommes dans un convoi de plusieurs centaines de véhicules avec des camions du génie transportant des ponts mobiles, de la logistique, de l'eau, des rations, des chargements d'obus aussi, des chars, des véhicules blindés, un cordon immense qui roule à 30 km/h avec pour consigne de faire route jour et nuit vers Bagdad. Tout au long de l'autoroute, c'est le désert. Sur le bas-côté, quelques carcasses de chars irakiens bombardés par l'aviation, quelques fortins faits de terre, de paille et de bois, des positions désertées aujourd'hui. Les Marines, avec qui nous faisons route, ont les bardas accrochés à leurs véhicules, les traits tirés, les visages couverts de poussière. La route est parsemée des sachets vides de leurs rations militaires. Avec eux, nous avons franchi l'Euphrate, puis au bout de cette autoroute. Nous roulons désormais sur une piste de sable. C'est un décor un peu irréaliste. De la route, nous avons vu des habitants qui quémandent de l'eau et de la nourriture. Certains disent qu'ils sont en colère des bombardements américains, mais d'autres expliquent qu'ils seraient heureux de vivre sans Saddam Hussein. De la piste, nous voyons les lumières des villes que les Américains contournent soigneusement. Leur objectif, c'est de constituer un front vers Bagdad, là, devant nous encore, à 250 km. Oui, et interrogation depuis hier, depuis 36 heures maintenant sur cette stratégie américaine d'éviter les villes, sauf peut-être Nasiriya. Il y a très peu de reddition, pas beaucoup de prisonniers et une vraie résistance irakienne. Bonsoir Général Lanata. Bonsoir. Vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air.
question. Alors pourquoi cette stratégie? Les Américains ne vont pas dans les villes par précaution, parce qu'ils veulent faire le moins de victimes possible dans leur rang et dans les rangs des civils irakiens, ou ils ne vont pas dans les villes parce que la résistance irakienne est finalement beaucoup plus forte que prévu? Je pense qu'il y a les deux, hypothèses. Je pense qu'initialement, l'hypothèse était de conquérir très rapidement les villes et que les villes tomberaient les unes après les autres. Avec des images d'Américains considérés comme des libérateurs. De libérateurs, si vous voulez. Ça, c'était l'hypothèse favorable. Bon, on s'est tout de suite aperçu qu'à Umkoas et à Bassora, la résistance s'organisait. Alors là, les Américains ont été obligés de changer de tactique. Donc ils sont allés vers Nasiriyah, là, même scénario. Donc ils ont décidé à ce moment-là de contourner les villes qui peuvent être des points de résistance. Ils ont contourné en particulier Najaf et Karbala, qui sont des villes saintes dans lesquelles il aurait été impensable de voir flotter le drapeau américain ou de faire des destructions, si vous voulez, pour aller se présenter devant Bagdad et donc frapper à la tête. Mais alors, Bagdad, justement, imaginons qu'il y ait 40, 50, 60, peut-être 100 000 soldats américains qui se massent dans les faubourgs de Bagdad. Mais que se passera-t-il ensuite? Parce qu'on comptait sur ce fameux front nord, avec des troupes venant de la Turquie, finalement elles ne sont pas là. Est-ce que les Américains auraient les moyens d'attaquer Bagdad avec ces seules troupes-là? Je ne pense pas. Je crois que l'affaire du front nord pèsera lourd dans cette guerre. Je crois que l'échec diplomatique avec la Turquie est quelque chose qui va avoir des conséquences importantes sur le plan de la stratégie militaire. Il manque aux Américains 50 ou 60 000 hommes au nord qui auraient pu descendre sur Bagdad et fixer en fin de compte les unités de la garde républicaine qui sont positionnées au nord. Bon. Cette hypothèse est donc à abandonner. En revanche, les Américains ont vraisemblablement une autre possibilité, et là je donne simplement un avis personnel, c'est de faire une opération aéroportée sur les terrains du Kurdistan, de façon à prépositionner des troupes qui seront plus légères, mais qui permettront de fixer un nombre important d'unités irakiennes. Mais vous êtes quand même en train de nous dire que vous avez des doutes et que cette stratégie vous semble hasardeuse? Non, je n'irai pas jusque-là, si vous voulez. Non, je n'irai pas jusque-là. Je crois que les Américains savent ce qu'ils font. Ils ont monté une opération, et comme toutes les opérations, les choses ne se déroulent pas toujours. Vous savez, les guerres rapides, fraîches et joyeuses, c'est relativement rare, on n'en connaît pas beaucoup. Hein. Et donc, aujourd'hui, ils sont obligés d'adapter leur tactique. Alors, vous restez avec nous et on va au Qatar retrouver Laurent Boussier au quartier général de l'armée américaine à Doha. Laurent, Tommy Franks, lui, le patron des opérations, ne laisse paraître visiblement aucun doute sur cette stratégie. Il donnait une conférence de presse aujourd'hui. Vous savez, David, oui, absolument, David, vous savez, le discours aujourd'hui du général Tommy Franks était avant tout et essentiellement destiné à l'opinion publique américaine après les morts et les prisonniers américains d'hier. Alors le message était clair, vous l'avez déjà montré dans les reportages. Tout se passe à peu près comme prévu. Rien de ce qui se passe sur le terrain ne nous surprend ni ne nous étonne. L'offensive va à peu près comme la planification. Parfois même, elle est un peu en avance. Alors, c'est vrai, l'offensive marche à peu près comme il faut, malgré quelques poches de résistance. Mais par contre, et ça c'est significatif, le général Franck a été très discret, voire gêné sur deux points qui sont plus politiques que militaires. Le premier, vous l'avez déjà évoqué aussi, c'est cette affaire de population. La population n'accueille pas dans la liesse les soldats américains, et ça c'est une nouveauté, c'est presque un choc pour les Américains. Ils s'attendaient à arriver en libérateur, d'où le nom d'ailleurs de leur opération. Et puis le deuxième point délicat en ce moment pour le général Franck, ce sont les armes de destruction massive et les armes chimiques. Pour l'instant, après 5 jours d'offensive, les Américains n'en ont pas trouvé et les Irakiens n'en ont pas tiré. Or, les armes de destruction massive et les armes chimiques étaient la justification principale de cette guerre avec l'Irak. Juste un mot, Laurent, je ne sais pas si vous avez des indications sur cette explosion qui a retenti tout à l'heure à Bahreïn, près du siège de la 5e flotte américaine. Avez-vous des détails? Écoutez, malheureusement, ici, les officiers de presse américains ne font que confirmer après coup les informations qu'on apprend généralement par la presse ou par d'autres sources au Pentagone. Alors, tant que le Pentagone n'en parle pas, ici, on a peu de chances d'avoir des informations là-dessus. Merci, Laurent. Il faut rappeler que 500 000 soldats, 500 000 Américains vivent actuellement à Bahreïn, où des manifestations contre la guerre ont été organisées récemment. On aura peut-être plus d'indications dans le courant de ce journal. Alors, assurance, donc, côté américain, assez grande assurance de Tommy Franks, vous l'avez dit, Laurent, mais nouvelle perte largement exploitée par la télévision irakienne, celle d'un hélicoptère Apache dans la région de Kerbala, à 80 km au sud de Bagdad. Yann Fronti. On ne sait toujours pas s'ils sont morts ou vivants.
Aucune trace des deux pilotes, sinon leurs deux casques et ces quelques cartes que piétinent fièrement ces hommes en armes. Ces images ont été filmées ce matin par la télévision irakienne et commentées en musique par un envoyé très spécial, habillé d'un treillis militaire. Ces citoyens courageux de Karbala ont abattu deux avions ennemis. Bonjour Hadj. Comment t'as fait pour abattre cet hélicoptère ? J'ai entendu le vrombissement des moteurs. Je suis alors sorti avec mes frères et ma famille. Nous avons tiré et on les a eus. Cet hélicoptère ne semble pourtant pas avoir été abattu, mais plus victime d'une défaillance technique. Il s'est posé sans avoir le temps de sortir son train d'atterrissage. Il est intact, sans une trace d'impact sur la carlingue. Même les missiles sont encore là. Qu'importe la cause de sa chute, c'est une victoire pour le régime irakien. Mais ils ont capturé les pilotes. Et si c'est possible, peut-être qu'on vous les montrera. La prise de cet hélicoptère est une nouvelle victoire pour Saddam Hussein, hautement symbolique et orchestrée comme telle. Sur place, propagande oblige, c'est l'équipe de télévision qui organise l'effusion de joie. Ces slogans n'ont rien de spontané, l'essentiel est de marquer les esprits. Pour toi, Saddam, on sacrifiera notre âme et notre sang, crie la foule. Voilà, un hélicoptère au sol et puis image aussi de ces premiers soldats américains blessés en Irak, rapatriés sur une base américaine en Allemagne, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Francfort. 12 blessés exactement qui seront soignés à l'hôpital militaire de Landstuhl. Étienne Lénard, bonsoir. Alors cette succession de mauvaises nouvelles, entre guillemets, les premiers morts, les premiers blessés, les premiers prisonniers, les villes qui résistent, a visiblement déstabilisé la bourse. Wall Street est en forte baisse. Paris a perdu plus de 5%. Est-ce qu'elle ébranle aussi, cette succession de nouvelles, le moral de l'hôpital américaine? Écoutez, aucun expert militaire ne parle pour l'instant d'enlisement. On l'imagine après seulement 5 jours de guerre. Le Pentagone rappelle que l'opération a été budgétée sur au moins 30 jours et qu'il a fallu plus de 3 semaines de bombardements et de combats en Afghanistan, même si l'Irak et l'Afghanistan ne sont pas directement comparables, avant que le régime des talibans ne s'effondre. Ceci dit, les événements de ce week-end posent un double problème, si je puis dire, aux Américains. Un problème militaire, puisque cette avancée tellement rapide vers Bagdad, on l'a bien vu, fragilise les lignes arrières et permet à des petits groupes d'Irakiens de mener des opérations de guérilla. Et puis alors sur le front de l'opinion publique, je le disais depuis 48 heures, continue de faire confiance à son commandant en chef, à son président. Mais on a tellement dit aux Américains que leur armée était supérieure, ultra supérieure sur le plan technologique, et bien que cette confiance pourrait, mais à moyen terme seulement, s'éroder si la stratégie des militaires américains est remise en cause, non seulement par des soldats tués, mais aussi par des revers sur le terrain. Merci Étienne. Quelques détails sur cette explosion à Bahreïn dont je vous parlais tout à l'heure, où 5000 Américains vivent et non pas 500000, comme je l'indiquais par erreur. Eh bien, elle s'est produite tout près de la base de Joufer, donc dans l'émirat de Bahreïn, qui abrite la 5e flotte américaine. On ne sait pas si c'était à l'intérieur ou à proximité de la base. On aura peut-être plus de détails dans quelques instants. Autre fait marquant de cette journée, cette apparition de Saddam Hussein à la télévision, à moins évidemment qu'il ne s'agisse d'un sosie. Ce matin encore, la presse américaine affirmait qu'il avait été blessé. Eh bien, le dictateur salue la résistance de son armée. La victoire est proche, dit-il. Florence Bouquilla. Pour des oreilles non averties, le second discours de Saddam Hussein depuis le début de la guerre peut sembler grandiloquent. C'est pourtant un véritable discours politique. Le raïs espère galvaniser ses troupes, son peuple, mais aussi toute l'opinion arabe. Sanglé dans son uniforme militaire, Saddam Hussein félicite d'abord la population irakienne et l'assure de la victoire. Puis il encense les combattants, particulièrement ceux qui résistent aux assauts des forces américano-britanniques au sud de l'Irak. Je dis à nos chers compatriotes de Bassora, la prospère. Je leur dis, patientez, chers frères, la victoire est toute proche. Au sein de la 11e division irakienne, je salue tout particulièrement le 45e bataillon qui a planté haut le drapeau et le nom de l'Irak dans la bataille d'Oum Qasr. Depuis ce matin, certains médias américains comparent les images de Saddam Hussein de jeudi dernier à gauche et de ce matin à droite et se demandent encore s'il s'agit d'un sosie. C'est Saddam, je n'en doute pas. Ensuite, il a été enregistré il n'y a pas longtemps parce qu'il cite des événements qui sont passés hier.
Et puis je ne pense pas qu'il l'ait fait en direct, parce qu'il a toujours une méfiance terrifiante de la technologie américaine. En direct, on peut savoir d'où vient l'émission et un Tomahawk arrive aussitôt. Une nouvelle fois, Saddam Hussein appelle son peuple à frapper l'ennemi avec force et précision. Ce sont vos jours décisifs, ô Irakiens. Frappez aujourd'hui comme vous l'a ordonné Allah. Frappez les têtes, frappez les doigts, frappez votre ennemi et votre patience entraînera une bonne nouvelle. Tout au long de son discours, le Raïs fait vibrer la corde sensible de l'opinion arabe sunnite ou chiite, avec des références au Coran et au djihad, et avec une conclusion, vive l'Irak et vive la Palestine, arabe et libre. Et nous retournons à Bagdad avec vous, Alain de Chalvron. Est-ce que cette intervention est susceptible de souder, de convaincre un peu plus les Irakiens? Est-ce qu'elle a été suivie? Oui, naturellement, elle a été suivie, mais vous savez, Saddam surfe sur une vague, cette vague du 45e bataillon d'Oum el-Kassr qui a résisté, vous l'avez entendu tout à l'heure, il l'a mentionné lui-même, il a félicité personnellement, nominalement, les officiers de ce bataillon. Et c'est vrai que le peuple irakien tout entier suit les événements héroïques, entre guillemets, de ce bataillon à Oum el-Kassr. Alors je crois qu'il y a de moins en moins une coupure entre, disons, les pro-Saddam, une minorité du peuple qui serait pro-Saddam et une majorité qui serait anti-Saddam. Il n'y a plus que des Irakiens qui se sentent envahis et qui veulent résister. Regardez ce tract. C'est le tract de l'ayatollah Sistani, qui est le chef religieux des chiites, qui est de Najaf, qui vient de publier une fatwa qui a été distribuée à des millions d'exemplaires à travers le pays. Alors d'ailleurs, on ne sait pas s'il l'a vraiment signée, mais enfin pour le moment, il n'y a pas de démenti. Mais en tout cas, c'est le signe que même les religieux chiites, pourtant cet ayatollah est quelqu'un de très hostile, qui a été déjà menacé de mort par Saddam Hussein, or sa fatwa dit « tous ceux qui aideront les Américains iront en enfer ». Merci Alain. La télévision décidément au cœur de cette guerre. Apparition également de Tarek Aziz il y a une heure environ, toujours à la télévision irakienne. Tous les dirigeants irakiens sont sains et saufs, a déclaré le vice-premier ministre lors de cette conférence de presse. Ils sont en bonne santé. Saddam Hussein a le contrôle total de ses forces armées. Alors général Lanata, une question tout de même. Pourquoi est-ce que les Américains n'ont pas détruit la télévision irakienne ou les antennes permettant de relayer la télévision irakienne, parce qu'elle est utilisée réellement comme une arme? Oui, tout à fait. Je crois que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Les moyens techniques. Mais il peut y avoir déjà un problème technique, parce que il peut y avoir un réseau d'émetteurs maillés avec reliés entre eux par des fibres optiques, parce qu'ils ont des fibres optiques, les Irakiens. Je pense que la raison n'est pas celle-là. Il peut y en avoir deux. Tout d'abord, les émetteurs peuvent être au milieu de zones urbaines. Donc leur destruction risquerait de créer des dommages collatéraux assez importants. La deuxième, qui me paraît la plus importante, c'est que les Américains avaient vraisemblablement l'intention d'utiliser ces mêmes réseaux de télévision très rapidement. Oui, comme beaucoup d'infrastructures irakiennes. Il faut bien voir que cette propagande à la télévision de Saddam Hussein et des différents dirigeants que l'on a pu voir à la télévision maintenant, c'est quelque chose qui est très important pour le soldat qui est dans son trou et ou derrière son bunker et derrière sa mitrailleuse, si vous voulez. Et lui, en fin de compte, ça exalte le sentiment nationaliste. Et je crois qu'on a fait une erreur en s'imaginant que les chiites, les sunnites ou les kurdes auraient pu se dissocier, si vous voulez, et répondre plus à leur appartenance religieuse ou autre qu'au sentiment national. Or, je crois que ce sentiment national est très exacerbé en Irak. Merci, général Lanata, d'avoir répondu à nos questions. Direction les États-Unis maintenant. Depuis hier, la guerre offre cet autre visage, son vrai visage, celui de la souffrance, avec notamment ces images de prisonniers américains et cette polémique sur l'application de la Convention de Genève. On va y venir dans un instant. D'abord, la réaction des familles là-bas. Pascal Golomer, Tristan Lebras. C'est en regardant la chaîne de télévision par satellite des Philippines, son pays d'origine, qu'Anicita a reconnu son fils, Joseph Hudson, 23 ans. Quand je l'ai vu, ça avait l'air d'aller. Mais je connais mon fils, il paraissait si effrayé. Aux journalistes qui se succèdent dans son salon depuis hier, elle répète qu'elle n'a eu aucune information des autorités américaines, mais elle garde espoir.
Je veux juste qu'il rentre à la maison. J'espère que le président Bush va tout essayer pour faire sortir ses prisonniers. Pas seulement mon fils, mais tout le monde. Joseph Hudson, comme tous ceux qui ont été capturés ou tués à Nasiriyah, vient de Fort Bliss, au Texas. Rien à voir avec une unité commando. Il s'agit d'une compagnie chargée de la maintenance du matériel. Aussi, quand Kimberly Miller découvre le visage de son frère, Patrick, sur un site internet, elle a peine à y croire. Cela m'a bouleversée. Je ne pensais pas que ça pouvait être mon frère. Pourtant, c'était bien lui. Et c'était terrible. Même maintenant, j'essaie de rester optimiste. Il aurait pu être tué plutôt que d'être fait prisonnier. Mais pour des dizaines de milliers de familles américaines qui ont un proche sur le terrain et qui suivent cette guerre heure par heure à la télévision, l'attente est depuis ce week-end un peu plus éprouvante encore. Alors, les dirigeants irakiens ont-ils violé la Convention sur les prisonniers? Que dit exactement ce texte, Richard Binet? Lorsque Donald Rumsfeld découvre au cours d'un entretien sur la chaîne américaine CBS les premières images de GIs prisonniers, sa réaction est immédiate. La Convention de Genève indique clairement qu'il est interdit de photographier ou d'humilier des prisonniers de guerre. En termes de droit international, le ministre de la Défense a raison. L'article 13 de la Convention de 1949 stipule « Les prisonniers de guerre doivent être protégés en tout temps, notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique. » Ces images de GIs prisonniers interrogés par la télévision irakienne, les Américains ne les verront pas ou presque. La majorité des networks ont choisi pour leurs boys de suivre les consignes gouvernementales et de ne pas les diffuser. En revanche, ils n'hésiteront pas à montrer leurs propres prisonniers, les mains sur la tête, une position pourtant considérée comme humiliante par la Fédération des droits de l'homme. Les images qui nous sont montrées d'un côté ou de l'autre quant aux prisonniers de guerre sont détestables puisqu'elles instrumentalisent des victimes. En ce qui concerne, pour le reste, la vérité et les deux poids deux mesures, je constate que les Américains ne se sont jamais embarrassés depuis longtemps, notamment en Afghanistan, en Kanamou, du respect de la Convention de Genève. Je suis heureux qu'ils la redécouvrent aujourd'hui. Depuis le début du conflit à France 2, nous sommes tenus à ne rien cacher de la réalité de cette guerre, que ce soit avec les prisonniers ou avec les morts. Qu'ils soient anglais, américains ou irakiens, avec le souci d'informer sans tomber dans le voyeurisme, nous avons donc souvent supprimé les images les plus violentes. Nous allons maintenant dans le nord de l'Irak, dans le Kurdistan autonome, car la tension est en train de monter là aussi très vite. Ce n'est plus seulement la rumeur de la guerre, mais peut-être déjà la guerre elle-même. Incursion irakienne, bombardement américain sur la ligne de démarcation et arrivée de nouvelles forces spéciales. Reportage de nos envoyés spéciaux Vincent Nguyen, Gilles Jacquier. Ce sont les premières images de forces spéciales américaines dans une base du Kurdistan irakien. En tenue de camouflage, sable ou kaki, ces hommes roulent en tout terrain civil, dont beaucoup ont un rectangle orange collé sur le toit. L'endroit où nous les avons filmés appartient à l'armée du Parti démocratique kurde. Les autorités ne cachent plus qu'elles travaillent avec les États-Unis dans le cadre de la coalition et l'arrivée d'un nombre important de forces spéciales hier a été officiellement annoncée. On parle d'environ 300 hommes, mais on ignore combien étaient déjà sur le terrain en secret. Il reste extrêmement discret. D'ailleurs, les Kurdes gardiens de la base empêchent quiconque d'approcher avec une caméra. Pour expliquer la mission de ces Américains, un officier a fait aujourd'hui sa première apparition publique au Kurdistan. Selon le général Osman, leur rôle sera de coordonner les opérations militaires et humanitaires et d'assurer la stabilité de la région en préservant les frontières actuelles de l'Irak. Un avertissement clair à la Turquie. En revanche, pas un mot sur l'ouverture éventuelle d'un front nord. Quelques forces spéciales seraient déjà à la frontière entre l'Irak des Kurdes et celui de Saddam. Mais on n'y voit pour l'instant que des Peshmerga. Ceux-là se rendent au village kurde de Sher Sherwana. Ce matin, des Irakiens se seraient approchés en tirant à la mitrailleuse et ces hommes en armes viennent en renfort. Mais les habitants ne sont pas vraiment rassurés. Celui-ci nous dit qu'il emmène sa famille à l'abri parce que la guerre approche, qu'il a peur. Son fils est sûr que les soldats irakiens tireront sur les militaires comme les civils, sans distinction. La situation est tendue le long de la frontière et l'avenir est incertain. Depuis hier, les Américains y ont bombardé 3 positions irakiennes. La dernière fois, c'était à 15 km d'ici.
C'était aujourd'hui vers midi. Il y a eu des bombes par là-bas. J'ai entendu des explosions de ce côté et il y avait des avions. Ces bombardements sont-ils les prémices d'une guerre au nord de l'Irak? Les Kurdes de la région attendent de le savoir. Tout près de la frontière, à Chamchamal, autre envoyé spécial, Jérôme Bonny. Jérôme, peut-on dire qu'un deuxième front est en train de s'ouvrir au nord? On peut imaginer, David, que ce sont les préparatifs d'un deuxième front. En effet, ces bombardements, aussi bien sur Chamchamal, qui est près de Kirkouk, que plus à l'ouest, dans la région de Mossoul, ces bombardements américains sur les lignes irakiennes, devraient être les éléments précurseurs peut-être d'une intervention au sol, car il est évident que cela constitue un élément qui déstabilise la situation. Tout à l'heure, il y avait une conférence de presse du chef de la sûreté de l'Union patriotique du Kurdistan, le docteur Holo, qui nous disait qu'il était en fait en face de deux menaces, celle des Irakiens d'un côté et puis celle des islamistes de l'autre dans cette région qui est proche de la frontière avec l'Iran. Vous savez que cette région a été abondamment bombardée pendant plusieurs nuits et que ces islamistes, certains d'entre eux ont été tués, une centaine, d'autres se sont réfugiés dans les montagnes et d'autres se sont dispersés dans le pays, dans ce Kurdistan irakien et notamment dans la ville de Souleymaniye dont je vous parle en ce moment. Alors bien sûr, cette situation de guerre qui touche aussi un petit peu le Kurdistan irakien, eh bien elle a tendance à inquiéter les autorités locales. Et ce chef de la sûreté nous disait qu'il accueillerait bien sûr avec bienveillance et soulagement toute intervention étrangère. Ici, en fait, les troupes américaines qui pourraient véritablement constituer un front nord sont attendues avec une certaine impatience. Merci Jérôme. Depuis longtemps, on s'interroge également sur l'après-guerre, l'après-Saddam. Et bien depuis le début de l'offensive, l'opposition irakienne croit plus que jamais à la chute du régime. Elle est en train de se rassembler en Jordanie. Envoyé spécial à Amman, Loïc de la Mornay, Joseph Andal. Un appartement anonyme dans un quartier résidentiel d'Amman. Fouille minutieuse, il nous a fallu plusieurs jours de négociations pour arriver jusqu'au siège de ce parti qui représente en Jordanie le Conseil national irakien. Une nouvelle ère se lève pour l'Irak, titre leur journal distribué sous le manteau. Tous ici sont des opposants de longue date à Saddam Hussein. Traditionnellement exilés à Londres ou aux États-Unis, ils se sont rapprochés de leurs frontières espérant que leur heure est enfin arrivée. Nous avons des relais dans l'armée, dans les tribus, au sein du parti Baas. Notre direction centrale a regagné l'Irak il y a quelques jours. Nos éléments tentent de convaincre la population que la chute de Saddam est irréversible cette fois-ci. Impossible de voir leur radio clandestine. Nos interlocuteurs ont trop peur de la police secrète de Saddam Hussein, bien infiltrée en Jordanie, ou encore de la police jordanienne elle-même, qui les surveille quotidiennement de cette voiture grise. Dans un café, rencontre avec d'autres opposants irakiens. Certains refusent de nous parler par principe, la France ne suivant pas les États-Unis dans la guerre. Ils sont journalistes, anciens officiers, médecins et un peu amers que leurs compatriotes ne profitent pas de la crise pour se soulever. Les Américains ont laissé Saddam réprimer le soulèvement chiite de 1991. Il y a eu 400 000 morts. Alors aujourd'hui, s'il y a résistance de la population, c'est pas par amour pour Saddam Hussein, c'est pour faire payer cet abandon aux Américains. Dans ce quartier populaire où vivent des travailleurs immigrés irakiens, on goûte peu le discours de l'opposition. L'opposition, c'est un groupe de mercenaires, des traîtres, qui vivent dans des hôtels de Londres ou de Washington, qui sont payés par les Américains. Où sont-ils en ce moment, hein? Diviser la communauté irakienne est à l'image des ambiguïtés du gouvernement jordanien. Aligné sur les États-Unis, le pouvoir doit ménager l'opposition irakienne en exil. Mais son soutien doit rester discret dans un pays où la majorité palestinienne et les centaines de milliers de travailleurs immigrés crient leur fidélité à Saddam Hussein. Autre pays frontalier avec l'Irak, la Syrie. On a eu la confirmation tout à l'heure que 5 Syriens ont été tués, 10 autres blessés lors d'une erreur de tir américaine ou britannique. C'est un autocar venant d'Irak et qui s'apprêtait à franchir la frontière avec à bord beaucoup de voyageurs rentrant chez eux qui a été touché. Et puis une crise dans la crise est peut-être en train de s'ouvrir entre Washington et Moscou. La Maison Blanche a en effet affirmé avoir des preuves concrètes que des entreprises russes avaient récemment livré des armes à l'Irak. Le Kremlin rejette ces accusations. La guerre en Irak qui s'est invitée à la cérémonie des Oscars la nuit dernière à Hollywood. Actrice en noir, badge pacifiste et diatribe contre George Bush. Marie Jojoin. Nous sommes contre cette guerre, Monsieur Bush. Honte à vous, Monsieur Bush. Honte à vous. De toute façon, même le pape est contre vous.
Vous êtes finis. Certains en rêvaient, d'autres le redoutaient. Michael Moore, Oscar du documentaire, a osé le faire en 45 secondes, son temps de parole. Violemment, premier à rompre le silence recommandé aux stars. En retour des sifflets ou des applaudissements, selon. Profitant de la vague, Pedro Almodovar, Oscar du scénario original pour Parler avec elle, a dédié son prix à tous ceux qui prennent la parole en faveur de la paix. Autre surprise, les Oscars du pianiste. Oscar du meilleur acteur pour Adrien Brody. Meilleur réalisateur pour Roman Polanski. Absent parce qu'interdit de séjour aux États-Unis depuis 1977. Plus policé, le discours d'Adrien Brody. Que l'on croit en Dieu ou en Allah, s'il vous plaît, priez pour la paix et une résolution rapide de cette guerre. D'autres encore, comme Suzanne Sarandon, arboraient discrètement un pin's, une colombe de la paix. Méconnaissable en Virginia Woolf, Nicole Kidman, meilleure actrice pour The Hours de Stephen Daldry, annonçait le retour d'un Hollywood tout en strass et paillettes. Avec l'Oscar du meilleur film pour Chicago, pas vraiment une surprise, vu l'investissement des studios Miramax, à l'image de cette cérémonie, maintenue coûte que coûte. Good night, folks. Et puis un peu partout dans le monde, les manifestations anti-guerre se sont poursuivies, notamment en Allemagne, ici, où 20 000 étudiants s'étaient rassemblés pour une marche à Hambourg. Des affrontements assez rudes, vous le voyez, ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Avant de refermer ce chapitre consacré à la guerre en Irak, nous allons au Koweït retrouver en direct Philippe Rochaud. Bonsoir Philippe. Pour des précisions peut-être concernant cette explosion signalée à Bahreïn près d'une base américaine. Oui. Écoutez, pas de confirmation s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat. En revanche, il y avait eu des menaces ces derniers temps, beaucoup de manifestations aussi autour de cette base de Jufair où s'est produite l'explosion. Et c'est important parce que c'est de là que les Américains embarquent sur les porte-avions. Donc, jusque-là, l'île de Bahreïn affichait un profil bas. Elle ne voulait pas montrer qu'elle aidait, en fait, les Américains. Mais bien entendu, il y avait beaucoup de protestations autour de cette action, de cette politique de Bahreïn. Il n'est pas écarté que ce soit un attentat qui ressemble étrangement à l'attentat de 1997 attribué à Ben Laden, à Dahran, où 18 militaires américains avaient été tués. Merci Philippe, et vous nous rappelez bien entendu d'ici la fin de ce journal si vous avez d'autres précisions. Encore un mot, si vous suivez cette guerre en Irak, un mot sur la position française avec un rendez-vous complément d'enquête ce soir. Au sommaire, notamment un reportage sur les relations entre George Bush et Chirac, complément d'enquête qui sera exceptionnellement en direct avec, pour la première fois depuis le début de la guerre, une interview de Dominique de Villepin, le chef de la diplomatie française, à suivre donc à partir de 22h50 avec Benoît Duquesne. Le reste de l'actualité de ce lundi 24 mars, c'est d'abord ce référendum contesté en Tchétchénie. La nouvelle constitution préparée par Moscou a recueilli plus de 90% de oui. On n'a pas encore les résultats définitifs. La question de l'indépendance de la Tchétchénie est close, a déjà conclu Vladimir Poutine. Je vous rappelle qu'aucun observateur étranger n'avait été admis à assister au vote. En France, la lutte contre le cancer, c'était l'un des trois grands chantiers promis par Jacques Chirac lors de sa campagne. C'est lui-même qui a annoncé les mesures dans leurs grandes lignes. 500 millions d'euros sur 5 ans et une guerre déclarée au tabac, pour reprendre l'expression du chef de l'État. Le détail, Nathalie Sapena, Claude Barnier. La cigarette ou une catastrophe sanitaire annoncée. Dans 20 ans, le tabac pourrait tuer 60 000 personnes, deux fois plus qu'aujourd'hui. Priorité, faire baisser de 30% le tabagisme des jeunes. Pour cela, la politique de la hausse des prix sera poursuivie. Autre priorité, le dépistage, en particulier celui du cancer du sein. Pour l'instant, il n'est effectif que dans 55 départements. Il sera généralisé d'ici la fin de l'année. Un mois d'attente pour un scanner, un délai que le plan anti-cancer veut réduire. La France va s'équiper de plus de scanners et d'IRM, seul moyen pour détecter certaines tumeurs. Apprendre que l'on souffre d'un cancer, un moment difficile et trop souvent négligé. Il est donc prévu la création d'une consultation spéciale d'annonce du diagnostic, plus longue et remboursée comme telle par la Sécurité sociale. Pour les associations de malades, ce plan représente un grand espoir. La parole présidentielle, moi je pense qu'aujourd'hui, change
la dimension sociale, l'image sociale du cancer. Le malade n'est plus seul. 70 mesures, 500 millions d'euros, c'est plus qu'un plan anti-cancer. C'est le grand chantier présidentiel de Jacques Chirac. Un établissement pratique depuis plusieurs années une politique novatrice en ce domaine. La clinique Sainte-Catherine à Avignon, son personnel est soutenu et formé par des psychiatres. Isabelle Quintard, Alain Location. Donc vous avez été opéré le 19 septembre. Oui. Donc il y avait bien dans votre sein, en effet, deux petits foyers de cellules cancéreuses. Le moment est toujours brutal. L'annonce du diagnostic de cancer et toute la difficulté pour le cancérologue est de trouver les mots justes. Quand on sait qu'on va avoir une consultation difficile, qu'on doit annoncer des mauvaises nouvelles, eh bien, réfléchir un peu avant avec le psychiatre sur la façon d'annoncer cette mauvaise nouvelle ne peut que nous aider et aider la patiente, bien entendu, à entendre cette mauvaise nouvelle. La psychiatre écoute, soutient chacun des membres du personnel soignant. Tous, un jour ou l'autre, se sont retrouvés dans une impasse face aux patients, incapables de gérer ce trop-plein d'émotions. La personne en larmes, complètement déboussolée, sachant pas où était sa vie, qu'est-ce qu'elle va faire après, qu'est-ce qu'elle doit porter, la souffrance de son mari, sa souffrance à elle. Je me suis enfuie, je l'ai posée sur une chaise, je lui ai donné un café et je savais plus quoi, c'était trop lourd. La plus grosse émotion, je dirais, qui est souvent verbalisée, c'est autour de la fin de vie. Et puis également, souvent, les patients agressifs. Et parfois, l'équipe est prise, je dirais, un petit peu est coincée, hein, on va dire, entre la famille et le patient. On peut être parfois le bouc émissaire. Parce que la maladie ne s'arrête pas aux portes de l'hôpital, la psychiatre est aussi là pour tous ceux qui, de près ou de loin, sont en contact avec la maladie sans y avoir été préparés. Le moral, ça va impeccable. Ah, le moral, ça va beaucoup mieux, oui. Il y a beaucoup de patients qui préfèrent parler avec nous. On a l'impression déjà que ça leur tient un certain moral. Et puis ça leur permet de parler un petit peu de temps en temps de leur maladie. Peu à peu, la psychologie entre à l'hôpital avec derrière une attente très forte des malades. Que le corps médical soit un peu moins technicien et un peu plus humain. Social en bref, avec l'ouverture du 47e congrès de la CGT. Objectif affiché par Bernard Thibault, 1 million d'adhérents contre un peu moins de 700 000 aujourd'hui. Et puis la poursuite des transformations de la centrale qui doit s'orienter selon lui vers un syndicalisme de proposition et non plus seulement de contestation. Il s'agit également de couper définitivement le lien avec le Parti communiste. La mairie de Marseille dans la tourmente ce soir. Perquisition tout à l'heure à l'hôtel de ville. 5 personnes placées en garde à vue. Parmi elles, le bras droit du maire, directeur de cabinet, Claude Bertrand. Il aurait usé de sa position en faveur d'un notable marseillais. Explications Zindine Boudaoud et Laurent Di. Aujourd'hui, pour aller à son bureau, l'homme de confiance de Jean-Claude Gaudin est accompagné par les gendarmes. Claude Bertrand a déjà passé la matinée avec eux en garde à vue. Cette fois, il doit leur ouvrir tous ses dossiers. Le directeur de cabinet du maire de Marseille est soupçonné d'être intervenu auprès de la justice en faveur d'une personnalité de la ville. Des soupçons fondés sur plusieurs conversations téléphoniques enregistrées par les enquêteurs. Dans ces conversations, Claude Bertrand promet de venir en aide au président du port autonome de Marseille, poursuivi à l'époque par la justice. Par quels moyens? Mystère. Mais l'homme, Henri Roux-Alzé, est relaxé avant d'être condamné en appel. Le plus proche collaborateur de Jean-Claude Gaudin a-t-il tenté d'influencer le cours de la justice? Les enquêteurs en sont convaincus, pas le maire de Marseille. Dans un communiqué, il lui réitère ce soir sa confiance, mais Claude Bertrand devrait être mis en examen pour trafic d'influence. C'est au détour d'une enquête sur le port de Marseille que les gendarmes ont pris dans leur filet Claude Bertrand. D'autres notables de la ville pourraient suivre. Santé, l'épidémie de pneumopathie, sa progression semble ralentie. Dernier bilan, 17 morts et près de 400 cas. Et un premier cas probable en France, il s'agit d'un médecin qui revient d'Hanoï. Il a été hospitalisé à Tourcoing. Sophie Mézel, Nathalie Sapena. C'est ici, au centre hospitalier de Tourcoing, qu'un patient rentrant hier du Vietnam a été admis. Il s'agit d'un médecin qui a soigné des malades du SARS, le syndrome respiratoire aigu sévère, à l'hôpital français de Hanoï et qui présente lui-même les premiers symptômes de la maladie. C'est un cas qui est considéré comme très probable actuellement et donc nous en saurons un peu plus dans les prochains jours. Mais nous faisons tout comme s'il s'agissait d'un cas avéré parce qu'il y a plusieurs critères qui correspondent à un cas de pneumonie atypique. L'hôpital français de Hanoï est justement le point de départ probable de l'infection.
La moitié du personnel soignant y a été contaminée. Et bien que de nouvelles personnes soient décédées aujourd'hui, une infirmière et un médecin vietnamien qui étaient placés depuis plusieurs jours sous assistance respiratoire, la situation semble à peu près sous contrôle, comme nous l'explique le docteur Fleury, envoyé en renfort et joint sur place. Nous avons toujours une patiente sous ventilation artificielle qui est dans un état stable actuellement. 10 patients qui sont encore en phase évolutive, 4 qui sont en voie d'amélioration et 20 patients qui sont considérés comme guéris. 4 morts au Vietnam, 10 à Hong Kong, 3 au Canada. Au total, 17 décès liés à la maladie ont été enregistrés, mais près de 400 personnes sont encore malades à travers le monde. 11 laboratoires dans 10 pays travaillent à isoler le virus, dont on devrait connaître bientôt la carte génétique. L'étape suivante devrait être la mise au point d'un vaccin. Sport, football, d'abord un rappel, la 31e journée de Ligue 1, Lyon a battu Nice hier soir 1-0, but signé Juninho. Le tenant du titre est maintenant 3e au classement, 1 point seulement derrière les deux leaders, Monaco et Marseille. L'image du week-end après ce ralenti, c'était hier le championnat espagnol. Le Real Madrid a battu la Corogne 2-0, qui a marqué Zinedine Zidane, auteur du premier but, mais victime d'un mauvais coup infligé par Scaloni, et le champion français a dû quitter le terrain. Sa participation au match France-Malte samedi prochain en éliminatoire de l'Euro n'est pas remise en cause, dit-on au Real. Et puis je vous rappelle, information pratique, qu'il ne vous reste que quelques heures pour poster votre déclaration d'impôt sur le revenu 2002, si vous ne l'avez pas encore fait, dernier délai ce soir minuit, le cachet de la poste faisant foi. Avant de refermer ce journal, une image, et puis nous irons à Bagdad. L'image d'abord, elle est importante, c'est celle du port d'Oum Qasr. Confirmation en image donc que le port est bien maintenant sous contrôle américain. Attention, il ne s'agit que du port et pas de la ville d'Oum Qasr, mais vous savez que c'est le seul port en eau profonde de cette pointe littorale de l'Irak et qui permettra donc d'acheminer des renforts mais aussi de l'aide humanitaire. Et on a entendu dans ce journal que la situation humanitaire est très critique en de nombreux points de l'Irak et notamment dans les grandes villes à Bassora par exemple. Nous allons, avant de refermer ce journal, à Bagdad retrouver Alain de Chalvron. Il est 22h50 à Bagdad, Alain, et c'est vraisemblablement une nouvelle nuit de bombardement qui s'annonce. Oui, écoutez, pendant le journal, il y a eu des bombardements, mais ça ne me serait même pas venu à l'idée d'interrompre le cours de votre journal, David, pour vous le dire, car c'est devenu d'une banalité stupéfiante. Ces bombardements, me semble-t-il, ont été dirigés sur la banlieue sud de la ville, ce qui n'est pas étonnant puisque les troupes américaines arriveront par là. Et naturellement, une fois de plus, ce bombardement a été suivi du déclenchement de la sirène d'alarme, qui arrive malheureusement la plupart du temps maintenant à contre-temps. Merci Alain, merci à vous d'avoir suivi cette édition. À suivre la météo, Patrice Drevet, il fera encore très beau demain sur la France. 22h50, donc je vous rappelle, complément d'enquête, Benoît Duquesne, la diplomatie française pendant la crise, avec une interview de Dominique de Villepin, dernier journal 1h-5, Jean-Claude Renaud, dès 6h30 télématin, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Dominique Moisy, spécialiste des relations internationales. À demain.